La mine de l'entraide existe depuis 2002. Puis au départ, je peux dire que ça s'appelait le Centre de dépannage de Buckingham, puis a été fondé en août 2002. La mission de la mine de l'entraide, la première mission, c'est on offre un dépannage alimentaire pour les personnes et familles démunies de Buckingham, Masson-Angers, Mayo et l'Ange gardien. C'est environ à peu près 234 dépannages par mois qu'on offre aux familles et personnes seules. Ça vient de la Banque alimentaire d'Ottawa et bientôt, ça va être associé avec Moisson Outaouais. Et des dons personnels aussi des citoyens, citoyennes qui viennent nous porter des dons ou des denrées là, périssables et non périssables. On offre plus qu'un dépannage pour servir la clientèle. Nous avons les cuisines collectives, nous avons les projets Manger mieux pour personnes seules, puis le côté boîte à lunch, qui est pour les familles. Les boîtes à lunch, ça sert pour les enfants des familles qui viennent ici. C'est un complément au dépannage, dans le fond. Les cuisines collectives, ils viennent une fois par mois. OK, ils viennent cuisiner, ils sont dans un groupe, et puis ils concoctent 3 à 4 recettes. Qui part avec ces recettes-là? Ils peuvent venir en dépannage pareil, mais c'est un service qu'on leur offre. Fait que j'ai des cuisines collectives pour personnes seules. Diabétique, monoparentale, et j'ai deux autres cuisines que je vais mettre sur pied, cuisine collective anglaise et cuisine collective en déficience intellectuelle. J'ai eu l'idée de mettre sur pied Projet Manger mieux. C'est des bénévoles que je recrute. Ils viennent concocter des repas santé qu'on fait sur place. Si on s'est impliqué ici, c'est-à-dire à l'ami de l'entraide, c'est que Pierrette et moi, on aime ça faire la cuisine. Et la nourriture, c'est un élément essentiel pour tout le monde. Et il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas s'en acheter ou ne sont pas capables de s'en faire. Alors pour nous, c'est une façon de s'impliquer dans la communauté qui nous convient très bien. Il me semble qu'on contribue à aider les gens à subvenir à un besoin essentiel. Au sein de l'équipe, c'est très, très important l'harmonie, okay? Un sourire, une belle atmosphère, que les gens, quand ils viennent ici, que ce soit à titre de bénévole, entre nous, c'est très, très important au sein de l'équipe, que les gens, quand ils viennent ici comme participants, participantes, comme bénéficiaires, pardon, ils sentent qu'il y a une belle atmosphère. Ici, c'est sans jugement, hein? Fait que l'amour et l'amitié, l'harmonie est très, très, très importante.